Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi, je te remercie pour ta grandeur, je te remercie pour ta puissance, c'est toi qui as créé toutes choses, les choses visibles, les choses invisibles, tu parles et la chose arrive, rien ne peut te résister, je te remercie infiniment pour tous les témoignages, pour tous ces gens que tu as délivrés, que tu as guéris, merci Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les dames qui ont mis la main sur le ventre, nous venons comme des enfants devant toi Seigneur, nous venons en toute humilité parce que nous croyons à ta puissance, nous croyons à ta fidélité comme Abraham, nous avons la conviction que tu es fidèle à tes promesses, rien ne t'est possible, je te remercie parce que tu visites ton peuple, je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes, toi qui es enceinte, mets ta main sur le ventre, je prie pour tous ces enfants, je prie pour tous ces bébés, je détruis complètement, je brise l'esprit de fausse couche, j'ordonne au nom de Jésus, que ces enfants naissent en bonne santé. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui protèges, c'est toi qui crée le chemin. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'être visités. Il y a beaucoup de visitations, il y a des délivrances. Au nom de Jésus, il y a des personnes qui souffrent de la migraine et qui sont guéries. Toi qui es employé de migraine, au nom de Jésus, mets ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit, au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a une femme qui est délivrée, qui est tombée par terre, qui est en train de s'enrouler par terre. Je m'adresse à ces esprits. Il y a des esprits qui sont dans son corps. Je vous ordonne de quitter son corps au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps au nom de Jésus. Cette femme appartient à Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison qui est en train de vomir au nom de Jésus. Que ce démon quitte complètement au nom de Jésus. Il y a un homme qui est délivré de la drogue. Tu prends beaucoup de drogue. Tu as tout essayé pour arrêter au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent le corps qui est en train de trembler. Tu as froid. Tout le corps est froid et tu trembles. Il y a des esprits, des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler tout le temps. Il y a une autre qui est en train de tousser. Depuis que j'ai commencé, tu es en train de tousser. Tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Merci pour la visitation. Merci parce que ton peuple est délivré. Merci pour ta présence. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui veux un enfant, toi qui es stérile. Tout le monde te dit que tu es stérile. Je maudis la stérilité et je déclare que tu vas concevoir au nom de Jésus. Parce que la volonté de Dieu est que tu aies un enfant. Si tu as l'utérus, si Dieu t'a créé femme et que tu as un mari, au nom de Jésus, j'ordonne que l'esprit de stérilité quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi qui viens de passer 7 ans. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité et une autre qui vient de passer 14 ans. Au nom de Jésus, je te remercie parce qu'ils vont concevoir. Toi qui viens de passer 21 ans, tu n'as jamais conçu pendant ces 21 ans. Le Seigneur te visite et tu vas concevoir pour la gloire de je suis. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a un enfant. Ton enfant a 22 ans. Tu t'es même découragé. Tu avais abandonné. Mais tu vas concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de prier pour la conception. Ton mari n'est pas avec toi. Ton mari est en voyage. Et quand ton mari va revenir, tu vas concevoir parce que le Seigneur a créé le chemin. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Parce que c'est ta volonté. Je chasse toute malédiction au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer du sang et un homme qui souffre du cancer de prostate. Tu es guéri au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Proclame avec foi le nom puissant de Jésus. Une femme qui a un problème de kyste utérin. Au nom de Jésus, il n'y aura pas d'opération. Le Seigneur est opéré et il te guérit. Il y a quelqu'un qui a des larmes qui coulent tout le temps. Partout, au travail, partout où tu vois des larmes. Au nom de Jésus, mets tes doigts sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de dos, tu souffres, tu as des douleurs au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur visite. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est couchée par terre. Tu n'arrives pas à bouger, tu ne peux pas te lever toi-même. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du dos, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de méningite, un problème de méningite. Tu es guéri. Je prie pour tous les enfants. Une maman qui prie pour son bébé qui a une grande température. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Un enfant qui a un problème d'infection du sang. Le Seigneur te guérit. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es un enfant, tu es avec moi. Et la foi, ouvre la bouche. Il y a une jeune fille qui souffre de la dépression. Il y a un jeune homme qui souffre de la dépression. Il y a deux jeunes, un jeune garçon et une jeune fille qui souffre de la dépression. Et une autre fille qui souffre de migraine. Au nom de Jésus, trois jeunes que le Seigneur guérit. Au nom
puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème qui souffre au niveau de l'œil. Il y a un œil qui ne voit pas, au nom de Jésus. Mets la main sur cet œil qui ne voit pas et confesse le nom de Jésus, parce que le Seigneur veut que tu vois. Ton œil qui ne voyait pas va commencer à voir, au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a un homme qui a des testicules qui sont gonflés. Mets ta main sur tes testicules, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de la mâchoire, le Seigneur te guérit. Que cette douleur cesse, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète, 2 personnes qui sont guéries du sida, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres au niveau des reins, et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui es sur une chaise roulante, tu es toujours dans une chaise roulante. Je t'ordonne de te lever au nom puissant de Jésus de Nazareth. Marche. Merci Seigneur pour ta grandeur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur. Rendons grâce. Éternel des armées, Dieu vivant, je suis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je viens dans ta présence. Père éternel, tu ne changes pas. Je te remercie parce que tu es présent. Je te remercie parce que tu es Shammah. Je te remercie parce que tu es partout. Tu connais tout. C'est toi qui as tout créé. C'est dans ta main se trouve la puissance et la force. Merci Seigneur pour ta présence. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour toutes ces délivrances, pour tous ces gens qui ont été visités par ta bonté, ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Sabaoth, tu es Chikenu, tu es Rohi. Tu ne changes pas. Adonai, Elohim. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui sont à genoux. Je te le montre Seigneur. Je te montre ceux qui ont mis la main sur le cœur, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour la visitation. Je te remercie pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Au nom de Jésus, je les bénis, que ta volonté soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour tous ces bébés. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je brise, je maudis l'esprit de fausse couche. Que tous ces enfants naissent au nom de Jésus et qu'ils accomplissent ta volonté. Que l'esprit de fausse couche fuit ces bébés au nom de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta protection. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a l'esprit d'adultère et l'esprit de fornication qui est en train d'être brisé au nom puissant de Jésus. Il y a des hommes et des femmes et des jeunes qui sont en train de délivrer de la fornication, de l'adultère, de la pornographie, de la masturbation. Merci Seigneur parce que tu libères des familles, tu libères des couples. Il y a des gens qui sont libérés, il y a des gens qui sont délivrés au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui consulte les marabouts. Tu m'écoutes, tu consultes les marabouts. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a des liens que tu as reçus, que tu as eu pendant que tu consultais les marabouts. Au nom de Jésus, toi qui as des gris-gris, va les brûler au nom de Jésus. J'ai dit va les brûler parce que le Seigneur veut entrer dans ta vie. Il veut te délivrer. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Il y a des gens qui sont en train de bailler. Il y a 4 personnes qui sont en train de bailler pendant la prière. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus. Je parle à tous ces démons qui vous lient. Quittez ce corps. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester. Alléluia. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es en train de pleurer. Au nom de Jésus. Tu as des vertiges. Tu perds l'équilibre. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a une autre personne qui est en train de vomir le sang. Tu vomis le sang. Au nom de Jésus. Il y a de la sorcellerie. Les liens de la sorcellerie. Tu es libéré. Tu es délivré. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui a mis les mains sur le ventre. Tu as été ensorcelé, lié par les sorciers. Ça fait 24 ans que tu ne peux pas concevoir. Et au nom de Jésus, je parle à ces démons. Sois libéré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre veut te donner un enfant. Et aucun sorcier ne peut t'empêcher de concevoir au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 10 ans et toi qui viens de passer 8 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es enceinte et tu as peur parce que tu saignes pendant que tu es enceinte. Je prie Seigneur pour que cet enfant naisse en bonne santé et que ce saignement cesse au nom de Jésus. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, d'ouvrir la bouche et confesser la victoire. Il y a 3 personnes qui souffrent de l'estomac. Recevez la guérison au nom de Jésus. Si tu souffres de l'estomac, garde la main sur le ventre et la foi. Il y a un homme qui est marié au nom de Jésus. Ta femme est très loin de toi. Au nom de Jésus, tu es lié par la masturbation. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a un autre jeune qui est lié par la masturbation. Le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. À
partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance et pour la guérison. Il y a une femme qui souffre au niveau du bas-ventre. Garde ta main sur ton bas-ventre et aie la foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, qui sont guéris. Toi qui souffres du cancer, qui a le cancer du sein, une femme qui souffre du cancer du sein, remercie le Seigneur. Garde la main sur ton sein et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un que le Seigneur guérit du foie. Tu souffres au niveau du foie. Le Seigneur te guérit. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Alléluia. Il y a une femme et un mari qui est en train de prier pour sa femme qui souffre de la schizophrénie. Au nom de Jésus. Je demande à cet homme, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation et la guérison. Il y a une femme qui dégage beaucoup une très mauvaise odeur au niveau de la partie intime. Alléluia. Tu es complexé. Tu fuis les gens. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui est guérie du cancer de l'utérus. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du rein. Tu as un seul rein et le seul rein qui reste est malade. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite et le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète à tel point que tu n'arrives même plus à voir comme il faut. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Reçois la guérison même si c'est impossible aux yeux des hommes. Mais ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible devant Dieu. Il y a des enfants qui sont visités. Je prie pour tous les enfants qui prient avec moi. Il y a un enfant qui souffre des angines. Tu es guéri au nom de Jésus. Un autre enfant qui a un problème de respiration, une mauvaise respiration. Que la maman mette sa main sur ta poitrine. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du cou, reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémorroïde. Même si je n'ai pas cité ta maladie, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Parce qu'il est capable. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te remercions pour toutes les guérisons. Nous te remercions pour la visitation. Tout-Puissant, Dieu éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis, je te remercie parce que tu ne changes pas. Tu es présent, tu es Shaman, tu es Chikenu, tu es Sabaoth, tu es Elohim, tu es Adonai. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je viens dans le nom de Jésus. Je ne viens pas à mon nom. Mais je viens au nom de Jésus. Je te remercie pour ta fidélité, ta grandeur, ta puissance. Tu parles et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Je te montre ceux qui sont avec moi, ceux qui sont en train de prier dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Je te montre ceux qui veulent être délivrés. Merci pour la visitation. Merci pour tes anges. Merci Seigneur. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je déclare que la volonté de Dieu soit faite sur ta vie. Je détruis tous les plans de Satan. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, tu sais que tu es enceinte. Mets ta main sur le ventre et je prie pour les enfants. Je maudis l'esprit de fausse couche. Je détruis tout esprit de fausse couche. Que tous ces enfants naissent, Seigneur, et qu'ils fassent ta volonté. Que ton plan se réalise dans leur vie. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a un enfant qui est né prématurément. Il est né au 7e mois. Au nom de Jésus, cet enfant et dans la couveuse. Sa mère est en train de prier pour cet enfant. Je proclame la vie. Cet enfant va grandir et va faire ta volonté. Je chasse l'esprit de mort sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un couple que le diable voulait séparer. Je chasse l'esprit de divorce. Que ce couple soit restauré au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de divorce et il n'y aura pas de divorce au nom puissant de Jésus. Ce couple est restauré. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Il y a la délivrance, l'esprit d'adultère. Je te chasse, je t'ordonne de quitter le corps qui est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a deux hommes qui sont délivrés de la cigarette, l'addiction à la cigarette. Vous êtes délivrés. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Au nom de Jésus, tu es en train de brûler. Le Seigneur te libère.
terre. Tu es libéré. Cette chaleur, c'est la chaleur du Saint-Esprit. Tu es délivré au nom de Jésus. Toi qui es par terre, au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits qui parlent. Je vous ordonne de quitter le temple de Dieu. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Alléluia. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Que ces liens soient complètement cassés au nom de Jésus. Il y a des liens, des chaînes sataniques. Au nom de Jésus, toi qui as des fétiches, va les brûler au nom de Jésus. Toi qui consultes les marabouts, c'est ton jour de délivrance. Commence à confesser Jésus. Alléluia, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sort de la nausée. Il y a quelqu'un qui a tenté de bailler tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a tenté de pleurer. Une femme qui est sur le lit. Tu es en train de pleurer. Tu cries. Le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Il y a une fille qui a tenté de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Tu as presque 50 ans. Mais le Seigneur va te donner un homme au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau du genou. Garde ta main sur le genou et confesse la puissance du nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Toute femme qui cherche un enfant. Si c'est toi, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il mette sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont en train d'être délivrées. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Une autre qui vient de passer 19 ans. Toi qui viens de passer 23 ans. Toi qui viens de passer 10 ans. Ouvre la bouche. Confesse la victoire. Confesse la victoire. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être délivrées. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a fait 5 fausses couches. Qui a conçu 5 fois. Et 5 fois, l'enfant est mort dans le ventre. Au nom de Jésus, la 6e fois, tu auras un enfant. Et cet enfant va naître. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour la guérison de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Je déclare la guérison. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre de cancer des os. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, je te montre la personne qui souffre de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme, c'est ton jour de délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui portes une ceinture, tu as levé la ceinture avant la prière. Tu ne vas plus porter cette ceinture parce que le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de crise et d'anxiété. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu sens les démangeaisons. Tout le corps, c'est comme si quelqu'un était de te gratter. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a mis la main sur la gorge. Tu as un problème de glande de thyroïde. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui souffres des hémorroïdes. Alléluia. Beaucoup d'années que tu souffres, qu'il y a un problème d'hémorroïde. Tu es guéri. Tu es guéri. Toi qui y a plus de 20 ans de constipation. Alléluia. Le Seigneur te délivre. Trois personnes qui ont le virus VIH. Vous êtes guéri, délivré au nom puissant de Jésus. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Il n'y aura pas d'opération. Le Seigneur t'opère lui-même. Toi qui as beaucoup de douleur, une douleur intense au niveau de l'oreille. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui sont guéris, des enfants qui sont visités, un enfant qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus, tout enfant qui prie avec moi, mets la main là où tu souffres et la foi. Au nom puissant de Jésus, un homme qui a un problème d'insuffisance rénale, tu es délivré, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Je te dis de te lever au nom de Jésus. Marche au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi, même si tu n'as rien senti, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Merci Seigneur pour ta visitation. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je suis. Je viens devant toi, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Je viens au nom de Jésus et je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Au nom puissant de Jésus, je te remercie parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà touché beaucoup de gens, Seigneur. Je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent du feu sur la tête. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Toi qui as mis ta main sur le cou. Au nom de Jésus, tu sens comme s'il y a quelque chose qui te gratte. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a deux personnes où les démons sont en train de parler à travers
vous. Je parle à ces démons. Quittez ce corps qui est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de Jésus. Je proclame l'autorité de Jésus. Le corps appartient au Saint-Esprit. Que tous les démons quittent ce corps. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour toute cette famille que tu délivres. Il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque et c'est ancestral. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. L'une des trois personnes a mangé du poison et tu ne mourras pas. Tu vas servir le Seigneur. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une grande manifestation. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des vertiges. Le Seigneur est en train de te visiter d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Je prie pour la personne qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde ta main sur le ventre. Peu importe les années que tu viens de passer sans enfant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Seigneur te visite. Il y a une visitation extraordinaire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui est guérie du cancer. Tu souffres du cancer, le cancer du sein. Le Seigneur te guérit. Tu vas faire le test et on ne trouvera plus le cancer parce que le Seigneur t'a visité. Il y a deux personnes qui ont le virus VIH. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur visite au niveau du dos. Garde ta main sur le dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs sur le doigt, côté gauche. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Toi qui sens les douleurs, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Reçois la guérison. Je prie pour la personne qui souffre de l'anémie depuis son enfance. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je proclame la guérison au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus, sur la croix, tu as pris sur toi toutes les malédictions et toutes les maladies. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je prie pour l'homme qui a un problème de rhumatisme. Ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Tout le temps. À tel point que tu oublies même ton nom. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration. La restauration de ta mémoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Ça fait plus de 20 ans que tu souffres du diabète. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, je prie pour la personne qui souffre de l'hypertension. Aujourd'hui, c'est la visitation. Au nom de Jésus, que la tension soit normale. Au nom de Jésus, toute personne qui souffre de l'hypertension, mets ta main sur le cœur. Le Seigneur visite. Il y a beaucoup de gens, soit qui souffrent au niveau des reins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui vient de prier pour son mari qui est impuissant. Que ton mari retrouve la force normale au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur pour les enfants qui sont touchés. Je prie pour cet enfant qui a un problème d'allergie au pollen. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui baille. Tu es en train de bailler et tu rôtes. Au nom de Jésus, et il y a une femme qui est en train de tousser. Depuis que j'ai commencé à prier, tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a une personne qui vient de tomber par terre. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Il y a des démons qui fuient ta présence, Seigneur. Il y a des démons qui sont en train de fuir la présence de Jésus. Il y a des anges qui agissent. Merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 2 semaines que tu ne vois pas au sel. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau du bas-ventre. Mets ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a une femme qui a dû prier pour son parent qui est à l'hôpital, aux soins intensifs. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je proclame la vie. Que tous les plans de Satan soient détruits complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de rôter. Au nom de Jésus, il y a la visitation. Toi qui marches sur une béquille, tu n'arrives pas à bien marcher. Au nom de Jésus, lâche la béquille et marche. Au nom puissant de Jésus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hépatite B, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui ne marchais pas depuis 2 semaines, tu ne marchais pas. Le Seigneur te visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cet homme qui souffre de l'estomac. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui as de mauvais rêves, tu vois toujours la mort la nuit. Je prie pour ton esprit. Garde la main sur la tête au nom puissant de Jésus et reçois la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, ouvre la bouche, que tout le monde ouvre la bouche. Nous te remercions, Seigneur, pour ta visitation. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous venons dans ta présence par la foi. Merci,
Seigneur, pour les délivrances. Nous avons écouté les témoignages. Tu as manifesté ta puissance. Il n'y a que toi qui peux faire ces miracles. Merci pour les gens que tu visites. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Tous ceux qui ont la foi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous ces enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, la vie, la puissance qui se manifeste sur ces enfants. Je prie pour tous les bébés, Seigneur, qui sont dans le ventre. Les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des enfants qui vont naître. Et je déclare la protection divine. Je détruis l'esprit de fausse couche. Tous les plans de Satan, que ça soit anéanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a une visitation spéciale. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Tu es comme ivre. Au nom de Jésus, tu vois la maison tourner, tourner, tourner. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui est en train de tousser. Tu es en train de tousser. Depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que tousser. Et tu craches. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Que ces liens soient brisés complètement. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est liée par la sorcellerie. On t'a sorcellé. Mais aujourd'hui, je déclare la victoire. Sois libérée au nom de Jésus. Parce que Jésus a pris toutes les malédictions sur lui, sur la croix. Tu es libre. Et ton corps, c'est le temple de Dieu. Le diable n'a pas de pouvoir sur ton corps. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu. Au nom de Jésus, il y a la visitation sur ta vie. Au nom de Jésus, garde ta main sur le ventre. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et tu concevras bientôt. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a mis sa main sur la poitrine, sur le sein droit. Au nom de Jésus, je maudis ce cancer de sein. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu n'as jamais conçu. Au nom de Jésus, il y a une autre qui vient de passer 19 ans. Tu as conçu une seule fois. Et le Seigneur va te donner un enfant. Alléluia. Toi qui viens de passer 8 ans. Un mari et une femme. Un couple qui vient de passer 8 ans. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a un homme qui a un problème de thrombose. Garde ta main sur la jambe. Confesse le nom de Jésus avec ta bouche. Parce qu'il y a une visitation. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir. Quelqu'un qui a vomi depuis le début. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour cet homme qui est guéri de l'asthme. Tu marches avec la pompe tout le temps. Tu es libéré. Tu es guéri. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de cancer de foie. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Sois guéri. Tu es guéri. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème qui souffre du cancer du sang. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci pour ce jeune adolescent, Seigneur, qui est délivré. Il y a un jeune adolescent qui est lié, qui prend la drogue tout le temps. Tu es délivré au nom de Jésus. Je condamne cette addiction à la drogue. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vit avec le VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Garde ta main sur le cœur. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Toi qui as un problème d'intestin, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous les gens que tu visites et qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont une infection vaginale. Le Seigneur vous délivre. Et une fille qui a des règles douloureuses pendant la période des menstruations. Tu as beaucoup de douleurs. Mais le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui est en train de l'étrangler. C'est comme s'il y a quelqu'un qui t'étrangle. Mais tu es libéré. Tu es protégé. Tu es libéré. Reçois la victoire. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, c'est ta visitation. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Au nom de Jésus. Que ta mère quitte l'hôpital vivante. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a des esprits qui se manifestent. Des esprits qui parlent. Vous n'avez pas le droit. Au nom de Jésus. Vous devez quitter ce corps. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas rester parce que vous êtes condamné. Vous êtes vaincu au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Reçois la guérison. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Partout où tu es, tu as des pertes vaginales et tu te protèges partout où tu vas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a des enfants qui sont visités et des enfants qui sont guéris au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a des angines. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de l'infection intestinale au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants. Si tu as un enfant, tu pries avec moi. Mets ta main là où tu souffres et aie la foi. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de crises d'asthme. Tu es connu comme asthmatique. Mais aujourd'hui, tu es visité. Cet asthme va disparaître de ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes celles qui sont visitées. Il y a deux personnes qui souffrent de l'hémorroïde. Ayez la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Toi qui as mis
mets ta main sur l'avant-bras gauche. Tu sens des douleurs sur l'avant-bras gauche. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de l'hépatite C et deux femmes qui souffrent de l'hépatite B. Si c'est vous, ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Je sens la puissance. Je sens la visitation. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Merci pour la visitation. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Merci pour ta présence. Tu es Shammah, tu es présent. Tu vois tout le monde. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie parce que tu nous as visités. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Tu es Shammah, tu es Sabaoth, tu es Chikenu, tu es Adonai. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour tes anges qui visitent en ce moment. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une visitation spéciale. Merci Seigneur pour les liens qui sont en train d'être brisés. Je prie pour ces hommes et femmes que tu es en train de délivrer au nom de Jésus. Toi qui es lié par l'alcoolisme, il y a deux personnes qui sont liées par l'esprit d'alcoolisme. Le Seigneur vous délivre. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Une femme qui est liée par un esprit de colère. Au point où tu casses toutes choses quand tu es en colère. C'est une colère démoniaque. Au nom de Jésus, tu es libéré. Que cette colère te lâche. J'ai dit que cette colère te lâche. Au nom de Jésus, qu'elle fuit. Au nom puissant de Jésus. Quand la parole descend, quand les anges de Jésus descendent, aucun esprit ne peut résister. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Je te remercie, Seigneur, pour la visitation. Il y a une femme qui est stérile depuis 18 ans. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus stérile. Que l'esprit de stérilité te lâche. Au nom de Jésus, on t'a dit que tu ne pourras jamais avoir un enfant. Mais au nom puissant de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Parce que la main de Dieu n'a pas de limite. Aucun homme ne peut limiter la main puissante de Dieu. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Attends-toi à avoir un enfant. Commence à te préparer. Parce que bientôt, tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 10 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Un couple qui vient de prier. Vous venez de passer 8 ans de mariage sans enfant. Le Seigneur crée le chemin. Toi qui viens de passer 16 ans, au nom de Jésus, la puissance de Dieu te visite. Alléluia, il y a beaucoup de femmes qui sont de prier. Ayez la foi. Si c'est toi qui prie pour un enfant, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Le médecin t'a dit que ton enfant souffre de la trisomie 21. Il te demande même de tuer cet enfant. Mais ne tue pas cet enfant parce que cet enfant va naître et en bonne santé parce que la puissance de Dieu l'a visité. Merci Seigneur parce que tu es venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Tu es venu détruire les œuvres de Satan. Tout ce qu'il a préparé doit être détruit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour deux personnes qui sont en train d'être délivrées. Deux personnes qui sont en train de vomir. Il y a la puissance de Dieu qui vous libère. Il y a les chaînes, les liens ancestraux qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui est visitée chaque nuit par un homme qui couche avec toi. Que cet homme te fuit, que cet esprit te lâche. Au nom de Jésus, tu es libre. Tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Il y a une femme qui voit un homme qui l'étrangle. Il y a quelqu'un qui t'étrangle. Souvent la nuit, il t'étrangle au point même où tu n'arrives même pas à respirer. Que le Seigneur te délivre. Cet esprit te lâche au nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un diabète avancé. Souvent même tu fais pipi au lit. Que ce diabète te lâche. Tu es libéré. Tu es guéri. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est tombée par terre, qui est en train de rouler par terre. Il y a des esprits qui parlent en toi. Que ces esprits te quittent. Je donne à ces esprits, sortez de la maison de Dieu. Quittez cette maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de je suis. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés, qui sont guéris. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le Seigneur t'a libéré. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au bras droit. Tu as mis la main sur le bras droit. Reçois la guérison. Le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui sont guéries du VIH et SIDA. Au nom de Jésus, que ce virus sort de ton corps. Le VIH n'a pas le droit de rester dans ton corps parce que
c'est la maison de Dieu, c'est la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus, il y a des jeunes hommes qui sont libérés de la dépression. Vous souffrez de la dépression. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que la dépression quitte votre corps. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme veuve, ça fait des semaines que tu viens de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et tu es libéré. Il y a quelqu'un qui n'en fait que bailler. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout, depuis la tête jusqu'aux pieds. Tu sens des démangeaisons. Tu es visité. Il y a quelqu'un qui voit le bras bouger tout le temps. Le Seigneur est en train de te libérer. Il y a beaucoup de liens qui sont en train d'être brisés. Quelqu'un qui perd l'équilibre. Tu as envie de tomber. C'est la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a des démons qui sortent. Toi qui es en train de vomir, tu vomis maintenant. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de crier tout le temps. Depuis que j'ai commencé à prier, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui était tombé dans le sommeil. Depuis que j'ai commencé, maintenant tu es conscient. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Merci Seigneur pour cette femme qui a des fibromes dans l'utérus. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'opère lui-même. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, mets la main là où tu souffres ou mets-tu ton cœur et la foi. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus parce qu'il y a beaucoup qui sont libérés. Un enfant qui a un retard mental. Au nom de Jésus, la maman prie pour son fils qui a un retard mental. Le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui a de l'allergie. Un enfant qui est allergique au lait. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Et la foi. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de perte de mémoire. Et la foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je veux demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Au nom de Jésus, même si tu n'as pas senti quelque chose, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la visitation. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi, je te remercie pour ta présence, merci pour la visitation, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, nous venons dans ta présence, nous venons en toute humilité, je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus, parce que je sais que tu entends toute prière, prier au nom de Jésus, je te remercie pour tous les témoignages, merci parce que tu es grand, merci parce que tu es éternel, merci parce que tu es puissant, merci parce que tu es Elohim, tu es Adonai, merci pour ta présence. Je te remercie Seigneur pour tous ces gens que tu as déjà touchés. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà touchés. Je prie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a un homme qui est délivré, qui était obsédé, qui a tout le temps des impulsions sexuelles. Tu ne pouvais plus te contrôler. Mais il y a une délivrance. Tu sens quelque chose, tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, que l'esprit d'adultère te quitte. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour une délivrance complète. Chaque fois que tu pries avec un avocat, tu tombes par terre. Il y a des démons qui parlent. Je donne à ces démons de quitter son corps une fois pour toutes. Sois délivré. Qu'il y ait la délivrance qui vient du ciel. Au nom puissant de Jésus, merci pour cette délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, tu vomis. Tu vomis tout le temps. Tu as même commencé à vomir avant la prière. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vomit parce que tu as mangé du poisson. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du coude, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a la délivrance totale. Que la puissance des ténèbres vous quitte complètement. Il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Toi qui n'arrives pas à dormir la nuit et la foi, ouvre la bouche, mets ta main sur la tête. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à trouver le sommeil. Ça fait des semaines que tu ne dors pas. Et quand tu dors, tu vois des cauchemars, tu vois des gens qui te tuent. Au nom de Jésus, que cet esprit de la mort quitte ta maison. Merci Seigneur, parce que tu visites beaucoup de tes enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Tu veux avoir un enfant. Ça fait longtemps que tu veux avoir un enfant. Ça fait 15 ans que tu veux un enfant. Garde tes mains sur le ventre. J'ai dit, garde tes mains sur le
ventre. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 17 ans de stérilité, au nom de Jésus, tu vas concevoir. Au nom de Jésus, il y a une femme qui fait 9 ans dans le mariage. Une fois seulement tu as conçu, mais après quelques semaines, l'enfant est mort dans le ventre. Mais tu vas encore concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Même toi qui viens de passer 21 ans et la foi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Je prie pour cette femme qui a un bébé prématuré. Le bébé est né à 7 mois de grossesse et l'enfant est dans la couveuse. Je prie pour cet enfant. Cet enfant va croître au nom de Jésus. Je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Je prie pour cette famille qui est ensorcelée au nom de Jésus. Il y a toute une famille qui est ensorcelée, qui est liée. Vous êtes délivré au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sein, une femme qui a un cancer de sein, et la foi, mets ta main sur le sein et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sang, quelqu'un qui souffre de cancer de sang, à partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un abcès derrière l'oreille, mets le doigt sur l'abcès et la foi, proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a deux hommes et une femme qui souffrent de l'hypertension, recevez la guérison. Deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale, une des deux femmes dégage de très mauvaises odeurs au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je te remercie Seigneur. Je prie pour la personne qui souffre de nerf sciatique au nom de Jésus. Il y a un homme qui a de l'infection pulmonaire, reçois la guérison. Il y a beaucoup de maladies que le Seigneur guérit. Toi qui as des difficultés respiratoires, commence à respirer normalement. J'ai dit commence à respirer normalement. Deux adolescents qui souffrent de la dépression au nom de Jésus, recevez la délivrance. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu touches. Il y a quelqu'un qui sent le démangeaison dans tout le corps, le Seigneur te délivre. Toi qui sens comme le feu sur la tête, le Seigneur te délivrer au nom de Jésus. Sois délivré des pensées suicidaires. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui a des pertes vaginales. Ça fait plus de 10 ans que tu as des pertes vaginales. Le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de foie, le foie, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Tu as un peu de vésicule biliaire, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je te remercie Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Je te remercie. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Tu craches tout le temps au nom de Jésus. Et notre femme qui est en train de bailler, tu ne fais que bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur la dent. Garde le doigt sur la dent au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre a mis sa main sur le pôle gauche, le bras et le pôle gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a des enfants qui sont guéris. Je prie pour tous les enfants. Un enfant qui a été brûlé. Je prie pour cet enfant, que cet enfant vive. Je proclame la vie sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau du mollet. Garde la main sur le mollet. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main en dessous du sein droit. Que ses douleurs cessent au nom de Jésus. Un homme qui souffre de Parkinson et la foi. Alléluia. Quelqu'un qui est guéri du VIH, qui a du virus du sida au nom de Jésus. Remercions le Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main où tu souffres. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, que tout le monde ouvre la bouche. Remercions le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour la délivrance. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es Je suis, tu es présent, tu es Shaman, tu es El Shaddai. Merci parce que tu es partout. Merci parce que tu es présent. Merci pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur parce que tu nous visites déjà, Seigneur. Nous venons au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. On a entendu que par les maîtrises de Jésus, par les blessures de Jésus, nous sommes guéris. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont visités. Il y a une grande visitation. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le feu dans le ventre. Ça brûle parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Je te remercie, Seigneur, pour le brisement des liens, les liens ancestraux, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je prie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un enfant dans le ventre, mets la main sur le ventre, dans le nom de Jésus. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a une femme qui a deux enfants, qui a des jumeaux. Alléluia, au nom de Jésus. Je prie pour ces jumeaux qui naissent. Le diable veut tuer ses enfants, mais je prie pour la vie. Je proclame la vie, que la mort fuit ses enfants. Au nom de Jésus, tu vas accoucher dans moins de 4 mois. Au nom de Jésus, et tous les enfants vont naître en bonne santé. Je chasse cet esprit de la mort, que ses enfants, que ses jumeaux naissent en bonne santé. Merci parce que tu les protèges. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est délivré de l'alcoolisme. Tu es lié par l'alcoolisme. Et un autre jeune qui est drogué, qui prend de la drogue. Je prie pour la délivrance. Sois libéré de la drogue. Sois libéré.
arrêt de l'alcool au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Il y a des démons qui parlent. J'ordonne à ces démons de sortir de ce corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a les jambes qui sont en train de brûler. Tu sens le feu dans les jambes. Au nom de Jésus. Et les jambes sont en train de bouger. Les jambes bougent. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. C'est les démons qui fuient. C'est les liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui sont libérées de l'esprit de la colère démoniaque. Au nom de Jésus, quand tu es en colère, tu veux casser toute chose. Il y a quelqu'un qui, quand il est en colère, pleure. Tu pleures et tu trembles. Que ce démon fuit, sort de son corps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a deux femmes et un homme qui sont en train de vomir. Vous avez mangé de la sorcellerie. Au nom de Jésus, sois libéré. Toi qui as des fétiches dans le sac à main. Il y a une femme qui part toujours avec des fétiches. Au travail, tu es avec des fétiches. Va brûler ces fétiches au nom puissant de Jésus. Tu es délivré, tu es libéré. Quand tu vas brûler ces fétiches, tu seras libéré. C'est lié à des démons, c'est lié à des démons. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ces trois personnes qui sont guéries des migraines. Vous avez des migraines, mettez la main sur la tête au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche parce que le Seigneur te délivre. Tu sens beaucoup de douleurs. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir toute la nuit. Toute la nuit, tu ne dors pas. Tu sens beaucoup de douleurs. Parfois, tu cries la nuit. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu es libéré. Quelqu'un qui a un problème d'excès de fatigue. Tout le temps, tu es fatigué. Et tu as envie de dormir tout le temps, même pendant la journée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant qui prie avec moi, mets la main là où tu souffres. Et la foi, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres, un enfant qui souffre de l'asthme. Partout, tu as une pompe. Alléluia, tu es délivré, tu es guéri. Que cet asthme générationnel soit brisé au nom puissant de Jésus. Ton père est asthmatique, ton grand-père est asthmatique. Et aujourd'hui, tu es délivré et tu brises le lien. Tu brises complètement le lien ancestral et tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la cuisse, côté gauche. Mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a des blessures dans la bouche. Au nom de Jésus, la maman prie pour l'enfant. Que ses blessures sèchent. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a beaucoup de myomes dans l'utérus. Le Seigneur te guérit. Que ces myomes disparaissent. J'ai dit que ces myomes disparaissent au nom de Jésus. Toi qui as un problème de kyste ovarien, au nom de Jésus, et la foi, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres, sur le dos, au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a deux hommes, il y a trois femmes qui souffrent. Toi qui ne peux pas te courber, mets la main sur le dos. Il y a beaucoup de gens qui sentent de te visiter au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main et la foi. Confesse le nom de Jésus. Il y a une fille qui souffre de la dépression. Tu as mis les deux mains sur la tête au nom de Jésus. Et tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Bailler. Quand tu bailles, tu as la bouche qui est grandement ouverte. Et parfois, tu as du mal à fermer la bouche. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui tousse et qui crache le sang. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a la main qui tremble. La main est en train de trembler. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Toi qui souffres de l'hernie discale et la foi. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du cancer des poumons et une femme qui a un cancer de l'utérus. Le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui a un cancer au nom de Jésus. Tu es sous traitement. Tu es à l'hôpital. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'anémie et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un autre qui a des cheveux qui tombent au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Le Seigneur te guérit. Toi qui viens de passer 12 ans. Toi qui viens de passer 8 ans et 13 ans de stérilité. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui va avoir des jumeaux bientôt. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui cherchent un enfant. Le Seigneur bénit beaucoup de femmes et la foi. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Un homme qui souffre de la fessée. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Aie la foi. Et je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur.
Éternel des armées, Dieu vivant, je te remercie pour ta présence. Tu es présent, tu es Shammah, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es El Olam. Je te remercie pour ta grandeur. C'est toi qui dis et que la chose arrive. Tu parles et ce qui n'existait pas existe. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ce témoignage. Merci Seigneur Jésus parce que tous les démons tremblent devant toi. Nous venons dans ta présence avec foi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là. Souffre. Je te montre toutes les mamans qui ont des enfants dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la vie sur tous les bébés qui sont dans le ventre dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la protection. Je te remercie pour le renouvellement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières au nom de Jésus. Si tu es avec un enfant qui est né à travers les prières de samedi, mets la main sur cet enfant et que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant, je détruis tous les plans sataniques au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a deux personnes qui sont en train de rouler par terre au nom de Jésus qui sont tombées. Je chasse tous ces démons qui parlent à travers ta bouche. Je ordonne à tous ces démons de sortir au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent comme l'électricité tout le corps. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a des liens sataniques. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisé. Toi qui es lié par l'alcoolisme, au nom de Jésus, un homme qui est lié par l'alcool, au nom de Jésus, cet esprit d'alcoolisme, que cet esprit te quitte, au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui faisait la prostitution. Tu es une veuve, tu as des enfants et tu fais la prostitution pour vivre. Le Seigneur te délivre. L'esprit de prostitution quitte cette femme, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Tu es âgée, ça fait au moins une année que tu pries pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et bientôt tu vas te marier. Tu es âgé mais tu vas te marier parce que le Seigneur a créé le chemin. Au nom puissant de Jésus, il y a deux veuves qui vont trouver des hommes qui vont les épouser. Au nom de Jésus, deux veuves qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, il y a deux femmes qui sont visitées la nuit. Il y a des esprits de mari de nuit qui vous visitent la nuit. Au nom de Jésus, esprit de mari de nuit, sortez de cette chambre. Au nom de Jésus, tu vas commencer à dormir tranquillement. Toi qui as des cauchemars, tu vois quelqu'un qui vient te battre, qui vient t'étrangler la nuit. Au nom de Jésus, et la paix pendant la nuit. Il y a des gens qui sont tourmentés la nuit. Trois personnes qui sont tourmentées la nuit. Au nom de Jésus, tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je prie pour toute femme qui a mis la main sur le ventre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour la protection. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre ta bouche. Crie le nom de Yeshua. Le nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Tu vas concevoir. Même toi qui viens de passer 18 ans. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 9 ans, au nom de Jésus, le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a prié pour un enfant et tu es en train de vomir. Tu es en train de vomir maintenant même. Tu es visité et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 12 ans, reçois la visitation, reçois la puissance de Jésus. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait des semaines que tu pries pour un enfant, mais aujourd'hui tu es déjà enceinte. Tu ne sais pas que tu es enceinte, mais tu es enceinte. Et quand tu verras que tu es sainte, envoie un témoignage pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je te remercie Seigneur. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Au nom de Jésus, je détruis toute opposition satanique. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de démangeaisons. Tout le corps, tu es visité. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu bailles, tu bailles, tu bailles. Tu as la bouche grandement ouverte. La puissance de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Deux femmes qui sont guéries du cancer. Et un homme qui souffre du cancer. Trois personnes qui sont guéries du cancer. Que le Seigneur guérit du cancer. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Je te remercie Seigneur parce que tu les libères. Tu es guéri. Trois filles qui ont des problèmes, qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus, merci pour cet homme qui est guéri au niveau du tibia. Garde ta main sur le tibia. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Garde ta main là où tu souffres. Hommes et femmes qui souffrent du dos, au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur les testicules. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Je prie pour un homme et une femme qui souffrent au niveau des intestins. Ayez la guérison au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète, toi qui souffres de diabète, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre au niveau des reins au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Que tout esprit fuit ta présence. Qui peut te résister Seigneur? Je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent le froid depuis que tu commences à prier. Tout le corps est froid au nom de Jésus. Il y a la délivrance, il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Merci Seigneur pour la visitation.
visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Mets la main où tu souffres. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a de la fatigue tout le temps. Fatigue intense. Partout où tu es, tu sens la fatigue. Ayez la guérison. Il y a des enfants qui sont en train d'être visités. Si tu es un enfant, tu pries avec moi. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Il y a un enfant qui s'ouvre des sinusites. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Un enfant qui a des difficultés respiratoires. Tu respires difficilement. Un petit enfant, un bébé qui a un problème de respiration. Mets la main sur son bébé. Au nom de Jésus. Merci, merci pour cet homme qui est guéri des hémorroïdes. Tu souffres des hémorroïdes. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Et ça fait plus de 20 ans que tu souffres des hémorroïdes. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de continence urinaire. Chaque fois que tu te lèves, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Parfois même quand tu es avec les gens, tu sens que tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas freiner. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Merci pour ce jeune qui est guéri de l'épilepsie. Et cette personne qui est guérie de l'hépatite C. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. À toi la puissance, l'honneur et la gloire pour des siècles des siècles. Venons dans ta présence, éternel des armées. Merci pour ta présence parce que tu es Shaman. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Merci pour cette parole qui nous montre ta puissance. Jésus, tu as dépouillé les autorités, les dominations. Tu n'as pas changé. Je te remercie pour tous les témoignages. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces gens qui ont été délivrés, qui ont été guéris. Je te remercie parce que tu n'as pas changé. Tu es partout. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant dans les quatre coins du monde. Je te remercie, Seigneur, pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né dans ces prières, mets ta main sur l'enfant. Je déclare la vie sur cet enfant conformément à la parole de Dieu. Que ton plan, Seigneur, soit réalisé sur ces enfants comme c'est déjà fait au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la vie au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a un enfant en prématuré qui est né avant la date de naissance. Il y a un enfant qui est dans une couveuse. Tu es une maman, tu m'écoutes. Ton enfant est dans la couveuse. Je proclame la vie. Cet enfant va sortir vivant au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de la mort dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a tout de vomir. Tu as commencé à vomir pendant le témoignage. Il y a deux personnes qui vomissent maintenant au nom de Jésus. C'est la délivrance. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre au nom de Jésus. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Sortez du temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps parce que son corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Au nom de Jésus, je détruis cet obstacle. On t'a dit que tu n'auras jamais d'enfant, mais le Seigneur te donnera un enfant. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Merci pour cette femme de 11 ans de mariage qui va concevoir. 15 ans de mariage, 8 ans. Il y a un couple de 8 ans. Vous êtes deux. Vous priez pour un enfant. Ça fait 8 ans. Au nom de Jésus. Et il y a une femme qui a un enfant de 12 ans. Tu n'as jamais pu concevoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur intervient. Je détruis tout obstacle au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Merci Seigneur pour la visitation au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es enceinte mais tu saignes en même temps au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je prie pour toute femme qui a toujours prié pour un enfant. Toi qui es à l'hôpital, tu es avec un enfant qui est malade. Je te remercie Seigneur parce que tu guéris cet enfant. Que cet enfant sorte de l'hôpital au nom de Jésus. Je détruis tout esprit impur qui attaque cet enfant. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une famille qui est délivrée. Il y a l'esprit de la mort dans la famille. Il y a des morts, beaucoup de morts jeunes. C'est à peine que quelqu'un atteigne 50 ans. Il y a beaucoup de morts prématurés dans la famille. Que ces esprits fuient la présence de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est lié par la drogue. Le Seigneur te délivre. Un homme qui a essayé plusieurs fois de cesser de fumer. Aujourd'hui tu es délivré. Tu as essayé mais aujourd'hui tu es délivré complètement. Il y a quelqu'un qui a une jambe qui est enflée. Au nom de Jésus, je prie pour cette jambe. Tu es guéri. Demain ta jambe sera normale. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri du sida, qui a le virus VIH. Tu es guéri. Ça fait 5 ans, plus de 5 ans que tu portes le virus du sida. Aujourd'hui tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer de l'utérus. Une femme qui a le cancer de l'utérus. Il y a un homme qui a le cancer de prostate. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont visités. Alléluia. Je prie pour cette femme qui a beaucoup de myomes. Le Seigneur te guérit. Alléluia. Sans opération.
génération. Ces myomes vont disparaître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette jeune fille qui est guérie, qui souffre énormément pendant la période des menstruations. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Tu souffres à tel point que tu vas même à l'hôpital. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a deux femmes qui sont guéries, qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui sent comme quelqu'un a de dos percé au niveau du dos, au milieu. Mets la main là où tu souffres et la foi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour toutes ces guérisons au niveau du dos. Il y a une femme et un homme qui sont guéris d'une infection urinaire. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent le poids sur la tête. C'est comme quelqu'un a de dos pressé. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu sens même la manifestation. Au nom de Jésus, merci pour cet homme qui est délivré, qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait longtemps que tu saignes. Que son saignement cesse. J'ai dit que son saignement cesse au nom de Jésus. Une femme qui a un excès de perte vaginale. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi, un homme qui souffre des migraines. Et la foi. Au nom de Jésus, tu ne peux pas supporter la lumière. Tu ne peux pas supporter les bruits. Mais aujourd'hui, garde ta main sur la tête et remercie le Seigneur. Au nom de Jésus, à quelqu'un d'autre qui souffre au niveau des yeux, garde ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a des enfants qui sont visités au nom de Jésus. Et un enfant qui a un problème de synécdoche, tu es guéri au nom de Jésus. Un enfant qui a un problème d'allergie au pollen, reçois la guérison. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, aie la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de crises cardiaques. Tu es visité au nom de Jésus. Toi qui souffres du diabète, aie la foi que le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout où tu es. Aujourd'hui, tu es libéré. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, aie la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci pour cette délivrance. Merci pour les témoignages. À toi seul appartient la gloire, l'honneur et la puissance. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je te remercie pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent, tu es partout, tu es omniprésent. Je te remercie pour ta visitation. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Je viens dans le nom de Jésus. Je m'approche de ton trône de grâce au nom puissant de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi au nom de Jésus dans les quatre coins du monde. Nous venons par la foi au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est délivré complètement. Tu souffres au niveau du dos, en haut, à droite. Garde ta main là où tu souffres. Il y a une manifestation sur ton corps. Le Seigneur te guérit. Ça fait plus de 20 ans que tu es courbé, que tu n'arrives pas à marcher correctement. Mais aujourd'hui, il y a la puissance de Yeshua. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour ta puissance. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, je te remercie pour cette famille que tu délivres. Une famille qui est délivrée. Toute une famille entière. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Il y avait de la sorcellerie de génération en génération. Il y a des morts prématurés. À partir d'aujourd'hui, il y a le plan de Satan qui est brisé. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour la visitation. Il y a une maman qui est en train de vomir. Tu es en train de vomir dans ta chambre. Le Seigneur te délivre. Que ces démons fuient ton corps. Au nom de Jésus. Que ces démons fuient ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a deux personnes qui sont liées par l'esprit de suicide. Je parle à ces esprits de suicide. Sortez au nom de Jésus. C'est la victoire. Je sens la victoire. Je sens la visitation. Il y a la main de Je suis partout. Au nom de Jésus. Si tu es en train de prier avec moi, ouvre la bouche. Parle. Remercie le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a deux personnes qui sont en train de se rouler par terre. Et je parle à ces démons. Il y a des démons qui parlent à travers une femme. Je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je répète, vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. C'est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci Seigneur pour le plan que tu as pour cette femme. Alléluia, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Merci pour tous ces gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Au nom puissant de Jésus, que ces liens soient brisés. Toi qui souffres au niveau du cou, côté droit, garde ta main. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'oreille. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Au nom de Jésus, je prie pour la personne qui a mis sa main sur la gorge. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des cordes vocales. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a une femme qui ne fait que pleurer. Depuis les témoignages, tu ne fais que pleurer. Le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de liens ancestraux qui sont en train d'être cassés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. La femme qui vient de passer 16 ans. Je prie pour cette femme, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste-toi dans sa maison. Au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 7 ans de stérilité, ouvre la bouche.
dimanche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 10 ans et toi qui viens de passer 13 ans. 13 ans dans le mariage. Au nom de Jésus, il y a notre femme qui prie pour un enfant. Ton mari n'est pas avec toi. Et quand le mari sera avec toi, il est en voyage. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux bébés prématurés qui sont dans les couveuses. Au nom de Jésus, je prie pour ces bébés. Que ta main soit sur ces bébés. Que ces bébés grandissent et qu'ils fassent ta volonté telle qu'elle est au ciel. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je prie pour cet homme qui a un problème de rhumatisme et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la où tu souffres. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés au niveau du dos. Merci pour la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la visitation. Je sens la délivrance. Quelqu'un qui souffre du cancer à l'état de métastase et la foi, ce qui est impossible, ça paraît fini, mais ce n'est pas fini si tu as la foi. Au nom de Jésus, je confesse la vie sur cet homme qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête, des chroniques tout le temps. Les médicaments ne fonctionnent plus. Que ces maux de tête cessent au nom de Jésus. Je sens la délivrance. Reçois la guérison. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis ta main sur l'orteil côté gauche. Garde le doigt sur ton orteil au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui traverse le corps. Il y a la visitation. Tu vois tes mains bouger tout le temps. Le Seigneur te donne de te délivrer. Il y a une délivrance. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Deux femmes qui ont le VIH. Et la foi que vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a un enfant qui a mis sa main sur les yeux. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Un garçon qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus. Je prie pour la victoire. Et je prie pour la guérison. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Ça fait plus de 10 ans que tu as de l'insomnie. Et la foi au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu puisses dormir la nuit. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus soit avec toi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a une autre femme qui a de la nausée. Tu essaies de vomir, mais rien ne vient. Il y a de la délivrance. Que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait longtemps que tu saignes. Au nom de Jésus. Et tu as aussi l'ennemi. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un cycle normal. Que son saignement cesse. J'ai dit que son saignement cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a un homme qui est en train de cracher pendant la prière. Il y a un homme qui est en train de cracher au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre de personnes qui ont un problème de perte de mémoire. Recevez la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tous qui sont en train de prier avec moi de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Rendez grâce au nom de Jésus. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, mais que tout le monde loue le Seigneur. Il y a la présence de Dieu. Je sens la délivrance. Merci pour les témoignages, Seigneur. Merci pour les délivrances. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Merci pour ta visitation, merci pour ta présence, merci pour les témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour cette femme qui est délivrée au nom de Jésus. Il y a une femme qui est à genoux, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te délivre, tu sens des démangeaisons dans le ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la vie. Victoire au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières de samedi. Si tu es avec un enfant que tu as eu à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. Je détruis l'esprit d'accident, l'esprit de la mort. Il y a un enfant qui est né à travers cette prière. Il y avait le plan de tuer cet enfant dans un accident. Je prie pour cet enfant. Je détruis cet accident. Je prie pour l'avenir de cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a une grande délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a deux personnes, deux jeunes qui sont liés par la drogue, qui ont l'addiction à la drogue. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci de les visiter. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tu es délivré, tu es délivré. Garde ta main sur le ventre. Il y a une grande délivrance. Toute la sorcellerie, le poison que tu as mangé, tu es protégé par la main de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu ne fais que bailler.
bouclier. Au nom de Jésus, tu bailles et la bouche reste grandement ouverte. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau des testicules. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre de la dépression, la schizophrénie. Au nom de Jésus, c'est ton jour. Au nom de Jésus, il y a la main de Jésus sur toi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la masturbation et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein. On t'a dit que tu as le cancer du sein. Aujourd'hui, reçois la délivrance. Je proclame la vie parce que Jésus a pris toutes les maladies sur la croix. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des difficultés respiratoires. Tu respires difficilement. Au nom de Jésus, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Je prie pour cette femme qui a du mal à respirer. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Tu as un œil qui ne voit pas du tout. Mets ta main sur cet œil qui ne voit pas. Au nom de Jésus, crie le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Tu vas commencer à voir parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde la main sur le ventre. Je prie pour cette femme qui vient de passer 18 ans sans enfant dans le mariage. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 9 ans dans le mariage et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans, une autre de 8 ans. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Que toute femme qui est en train de prier avec moi maintenant et la foi. Au nom de Jésus, parce que le Seigneur ouvre la porte. Il y a une femme qui vient de voir 4 fausses couches. Tu n'as jamais eu un enfant, mais tu as conçu 4 fois. Et 4 fois, l'enfant est mort. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Tu vas concevoir un enfant qui va naître. Au nom de Jésus, toi qui as un enfant de 18 ans, tu n'arrives pas à concevoir. Tu vas concevoir et avoir un autre enfant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui sent comme des fourmis sur la tête. Il y a la délivrance. Que tous ces liens soient brisés au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos, des hommes et des femmes. Toi qui ne pouvais pas te courber, courbe-toi. Marche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une dent qui lui fait très mal. Toute la nuit, tu ne dors pas. Au nom de Jésus, garde le doigt sur ses dents. Le Seigneur te touche. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Une maman qui prie pour son fils qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus, ton enfant est guéri. Reçois la guérison. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Mets la main là où tu souffres. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Merci Seigneur. Il y a des personnes qui vivent avec le VIH. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a au moins 3 personnes qui sont liées, qui sont dominées par l'esprit de suicide. Je parle à l'esprit de suicide. Lâche les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, que cet esprit de suicide te lâche et que tu vives au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu sens beaucoup de douleur au niveau de la gorge. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis la main sur l'œil droit, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme et la foi que le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'asthme, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Au nom de Jésus, que ça cesse au nom puissant de Jésus. Il y a une personne qui est tombée par terre. Tu es en train de tourner par terre. Je parle à ces esprits. Je parle à ces démons. Lâchez. Sortez du corps. Sortez de la maison de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du bas ventre. Garde les mains sur le bas ventre. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre des migraines. Toi qui souffres des migraines, garde la main sur la tête. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 personnes qui sont guéries du cancer. 2 personnes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre des hémorroïdes et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, ça fait beaucoup d'années que tu as un problème d'hémorroïdes. Le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci Seigneur. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. Je viens encore une fois dans ta présence, Dieu vivant, éternel des armées. Tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shammah, tu es Chikenu, tu es El Shaddai, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus parce que nous croyons à ta puissance. Merci pour tous ces miracles. Merci pour toutes ces guérisons. Tu manifestes ta grandeur. Tu ne changes pas. Tu es au ciel et tu commandes. Tu as vaincu au nom de Jésus.
Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés dans cette prière. Je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers cette prière au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Que cet enfant grandisse selon la volonté de Dieu. Je détruis le plan de Satan sur ces enfants au nom de Jésus. Que ces enfants restent dans ta présence, qu'ils naissent au nom de Jésus. Tout esprit de fausse couche est sans effet au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est délivrée de la peur, esprit de la peur. Tu es esclave de l'esprit de la peur. Tu n'arrives même pas à dormir parce que tu as peur. Au nom de Jésus, sois libéré. J'ai dit sois libéré pendant la nuit. Parfois tu cries, parfois tu passes toute la nuit sans dormir parce qu'il y a un esprit de peur qui te lie. Que cet esprit de peur te quitte au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est visitée la nuit. Il y a un homme qui vient toujours coucher avec toi, le mari de nuit. Au nom de Jésus, que cet esprit te lâche. J'ai dit que cet esprit te lâche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de vengeance. Au nom de Jésus, l'esprit de rancune et de vengeance, sois libéré au nom de Jésus. J'ai dit, sois libéré au nom de Jésus. Que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont par terre, qui sont en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits de vous lâcher au nom puissant de Jésus. Soyez libérés, soyez délivrés au nom de Jésus. Merci pour tous ces gens, Seigneur, qui sont libérés. Merci Seigneur. Il y a une mère qui est une prostituée. Tu as des enfants et tu vis de la prostitution. À partir d'aujourd'hui, sois libéré de la prostitution au nom de Jésus. Sois libéré, sois délivré. Tu sens les démangeaisons dans tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs sur le pied, au niveau du talon. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre au nom de Jésus. Tu viens de passer 10 ans dans le mariage. Tu as fait tout ce qu'il faut. Tu as tout essayé. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es visité au nom de Jésus. Tu vas concevoir selon le plan de Dieu et tu auras un enfant pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui vient de passer 15 ans sans enfant. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qu'elle puisse concevoir. Peu importe le problème. Ce n'est même pas ton problème. C'est le problème de ton mari. Au niveau de la sémence de ton mari. Au nom de Jésus, tu vas concevoir avec ton mari. Au nom de Jésus. Parce que le diable a fui. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout blocage soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour ce couple qui vient de passer 19 ans. Il y a un couple qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer 9 ans. 9 ans. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. On t'avait dit que tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Mais tu vas avoir un enfant bientôt. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Au nom de Jésus. Toi qui as déjà fait 6 fausses couches. 6 fois tu as conçu. Mais ça ne passe pas. Au nom de Jésus. On te dit que c'est génétique. Que ça ne marche pas. Mais maintenant, je déclare au nom de Jésus que tu vas concevoir. Et cet enfant va naître au nom puissant de Jésus. Je te montre cette fille qui a des boutons. Il y a une fille qui a des boutons sur le visage. Beaucoup de boutons. Tu pleures même en priant. Le Seigneur te guérit. J'ai dit le Seigneur te guérit. Je prie aussi pour cette femme qui a mis la main sur le sein gauche. Qui a beaucoup de douleurs. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse au nom de Jésus. Je prie pour la personne qui souffre au niveau des yeux. Si c'est toi qui as des douleurs au niveau des yeux, mets ta main sur les yeux et aie la foi. Au nom de Jésus, tu vas commencer à voir sans problème. Toi qui as des larmes tout le temps dans les yeux, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a une grande douleur sur le bras. Le Seigneur te guérit. Et il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur l'orteil du pied droit. Tu es guéri. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour tous ces gens qui sont de délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans son corps. Le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos si tu souffres au niveau du dos. Quelle soit la guérison au nom de Jésus. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris du cancer. Quand tu verras que tu es guéri, témoigne pour la gloire de Dieu. Je prie pour cet homme qui souffre de la dysfonction érectile. Sois délivré au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ont le virus VIH. Au nom de Jésus, soyez guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un homme qui est impuissant. Tu es impuissant. Ça fait des années que tu es impuissant sexuellement. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, ça fait beaucoup d'années que tu souffres de l'estomac. Mais aie la foi qu'aujourd'hui, c'est ta visitation. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'insomnie, ça fait longtemps que tu n'arrives même plus à dormir. Mais le Seigneur te visite aujourd'hui. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des intestins, mets la main sur le ventre. Il y a beaucoup de
guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, loue le Seigneur pour sa visitation. Aie la foi, manifeste ta foi. Que tout le monde remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi la puissance. À toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, tu es présent, tu es Shammah, tu es El Shaddai, tu ne changes pas. Je te remercie pour ta présence. Je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Si tu es avec un enfant qui est né grâce à ces prières, mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je proclame la victoire et la croissance dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a même une femme qui veut un enfant, qui est déjà enceinte. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants, tous ces bébés. Au nom de Jésus, que ta volonté, Seigneur, telle qu'elle est au ciel, soit accomplie. Je détruis, j'anéantis tous les plans sataniques de prendre la vie de ces enfants. Esprit de fausse couche, tu n'as pas le pouvoir sur ces enfants. Je te détruis, je t'écrase au nom de Jésus. Quittez ces enfants. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une grande délivrance. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit d'alcoolisme. Tu es lié par l'alcool. Au nom de Jésus, tu es délivré. Même le matin, tu bois l'alcool. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont d'être délivrés de l'esprit d'adultère et de fornication. Au nom de Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit de masturbation. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre, qui est tombé par terre, qui est en train de se rouler. Il y a des démons qui parlent à travers ta bouche. Je donne à ces démons de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une grande visitation. Il y a une femme qui est souvent visitée par un esprit, un mari de nuit, un esprit qui fait coucher avec toi dans les rêves. Je donne à cet esprit de te lâcher. Je dis, je donne à cet esprit de te lâcher et de quitter ta vie au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester. Il y a quelqu'un qui est libéré au nom de Jésus, qui est en train de bailler maintenant. Tu bailles. Depuis les témoignages, tu ne fais que bailler. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a pris sa main sur le ventre. Tu as un problème de foie. C'est pas l'enfant que tu veux, tu es guéri du foie au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je prie pour ces personnes qui sont guéries de l'hépatite C et de l'hépatite B au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui attend 19 ans un enfant. Ça fait 19 ans que tu attends un enfant et ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, il y a la puissance de Jésus. Reçois la visitation. Toi qui viens de passer 19 ans au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans dans le mariage, 11 ans dans le mariage, il y a une puissance de délivrance qui vous visite. Alléluia. Merci pour ces enfants qui vont naître au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une femme qui est enceinte. Tu as un enfant, tu dis de tuer cet enfant parce que l'enfant souffre de la trisomie 21. Mais cet enfant va vivre. Il est guéri. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura pas de trisomie 21 au nom de Jésus parce que la main de Jésus l'a visité. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de blocage, tout ce qui bloque ta main au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la personne qui est guérie de la maladie de la peau. Il y a quelqu'un qui souffre sur la peau. Chaque fois que tu es sur le soleil, tu souffres au nom de Jésus. Tu es visité, tu es libéré au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de fibrome. Alléluia, un fibrome dans l'utérus. Tu es libéré, tu es guéri et tu n'auras pas d'opération au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, en bas, garde ta main là où tu souffres, sur les hanches. Le Seigneur te libère, tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur le dos. Le Seigneur te guérit. Il y a grande guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, que le Seigneur guérit le cancer du côlon. Et la foi ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui as une jambe paralysée, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau de la dent, tu as mis ton doigt sur la dent. Et la foi au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui vivent avec le VIH. Le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a trois femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Il y a une femme parmi les trois, une femme qui dégage une très mauvaise odeur. Aujourd'hui, vous êtes visité. Toi qui as mis ta main sur l'oreille droite, garde ta main et remercie le Seigneur. Je prie, Seigneur, pour cette personne âgée qui a des pertes de dents. Il y a des dents qui tombent comme ça. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te visite et qu'il n'y ait plus des pertes de dents au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est la pu qui sort de l'oreille. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je sens la présence de Dieu. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la tête. Tu as des maux de tête atroces. Tu souffres tous les jours. Les calmants ne fonctionnent pas. Au nom de Jésus, garde ta main sur la tête parce qu'il y a la main de Jésus qui te
visite. Toi qui as mis ta main sur l'avant-bras, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la chaleur sur la tête. Il y a la visitation. Il y a la délivrance. Toi qui es par terre, je donne à ces démons de sortir de ton corps. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci, merci pour ces femmes qui sont en train d'être libérées. Elles ont des règles abondantes. Il y a des femmes qui saignent. Au nom de Jésus, pendant longtemps, pendant des mois, pendant des années. Au nom de Jésus, que ça s'arrête. J'ordonne que ça s'arrête au nom de Jésus et que vous ayez un cycle normal. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer des poumons. Au nom de Jésus, deux personnes qui souffrent du cancer. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a les enfants qui sont visités d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour cet enfant qui ne dort pas, qui n'arrive pas à dormir, qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Que la paix de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour cet enfant qui souffre, qui a un problème d'otite. Gardez la main sur son oreille. Je prie pour tous les enfants qui sont avec moi, au nom de Jésus. Un petit garçon qui a des problèmes d'équilibre, qui n'arrive même pas à marcher. Que la main de Jésus soit avec toi. Je prie pour la personne qui souffre d'une infection urinaire. Que ça cesse aujourd'hui, au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent de la constipation. Au nom de Jésus, ça fait des années. Une des deux personnes, ça fait des années que tu as de la constipation. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a la personne qui souffre au niveau de l'œil. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Je ne peux pas citer tout le monde. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti comme manifestation, mais que tout le monde rende grâce, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul le pouvoir. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. Éternel des armées, Sabaoth, El Shaddai, Adonai, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus, parce que tu ne changes pas, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans ta main se trouve la puissance et la force. Je te remercie parce que tu es présent. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi, au nom de Jésus. Merci pour tous les témoignages, tous ceux qui ont été guéris, Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né dans ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire, la vie sur ces enfants au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour ces deux femmes qui sont délivrées. Vous êtes liées par l'esprit de Marie de nuit. Chaque nuit, tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Ouvre la bouche et crie le nom de Jésus parce que tu es libéré, parce que tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation au nom de Jésus. Je viens dans ta présence Seigneur. Je te montre tous ces gens qui sont d'être délivrés. Je te remercie pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre comme un serpent. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de serpent. Quitte son corps qui est le temple de Dieu. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une maman qui a envie de prier pour sa fille. Sa fille est délivrée de la drogue. Tu as une fille qui est droguée, qui prend de la drogue. Ça fait des années. Mais aujourd'hui, c'est la visitation. Je te remercie, Seigneur, pour ta puissance. Étends ta main. Touche cette fille. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier, qui veulent un enfant. Garde ta main sur le ventre. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans. Je prie pour cette femme qui vient de passer 16 ans. Au nom de Jésus, je te montre celle de 10 ans et celle de 9 ans. Merci pour celle de 11 ans. Alléluia. Au nom de Jésus, que ce qui est impossible aux hommes soit possible à toi, Seigneur. Manifeste ta puissance. Je te remercie pour cette femme qui a des jumeaux. Il y a une femme qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux dans ton ventre déjà. Au nom de Jésus, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, ça fait des années, mais tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a trois personnes, dont un homme et deux femmes, qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, toutes sortes de poisons, que ça sorte du corps, que tous les liens soient brisés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, chaque fois que tu dors, tu vois quelqu'un qui te tremble. Parfois, tu n'arrives même pas à respirer ou à parler. Que cet esprit s'éloigne de toi. J'ai dit que cet esprit s'éloigne de toi. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 30 ans, tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci Seigneur. Il y a deux femmes qui sont liées par l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus,
soyez libérés et répandez-vous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes que le Seigneur guérit du cancer. Il y a un homme qui a un peu qui souffre du cancer de prostate et une femme qui a le cancer de sang. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus, le nom de victoire. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur l'épaule gauche. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sentent d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus, mets ta main sur le dos. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a quelqu'un qui sent le feu dans le dos. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sentent d'être guéris sur le corps physique. Là où tu sens des douleurs, mets ta main et aie la foi. Au nom de Jésus, deux personnes qui souffrent des intestins. Le Seigneur vous guérit. Je prie pour cette maman âgée qui a un problème cardiaque, un problème avec ton cœur. Garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui ont le virus VIH. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Je confesse la guérison. Que son virus quitte complètement le corps. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de crises d'épilepsie. Si c'est toi, ouvre ta bouche et proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Crie le nom de Jésus. Il y a trois personnes qui souffrent, qui ont un problème d'estomac. Au nom de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un enfant qui a un problème de déshydratation. Au nom de Jésus, que ton corps fonctionne normalement. J'ai dit que ton corps fonctionne normalement. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un œil qui ne voit pas. Il y a un œil qui ne voit pas. Je dis que cet œil s'ouvre et que l'enfant voit normalement. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète et tu es sous insuline. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur que tu le visites. Et tends ta main. Touche-le. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. La main de Je suis te touche. Je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de démangeaisons. Ici entre le cou et le dos côté gauche. Que ça cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de foie. Hépatite B. Garde ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est impuissant depuis plus de 5 ans. Ça fait plus de 5 ans que tu es impuissant. Que la main de Je suis te touche. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se roule par terre. Au nom de Jésus. Je parle à cet esprit. Au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Je te donne de sortir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre des liens ancestrales. Que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Parle de sa grandeur. Parle de sa puissance. Merci Seigneur pour tous les témoignages que nous allons entendre à travers cette prière. Merci pour les délivrances et les guérisons. Aimez désormais Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Alpha et Oméga. Je suis. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu es Shammah. Tu es Elohim. Tu es Adonai. Tu es Chikenu. Tu es El Olam. Je t'adore. Je te remercie. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi. Nous venons parce que nous attendons à quelque chose de spécial. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu ne changes pas. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour chaque enfant qui est né à travers la prière de samedi. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets ta main sur cet enfant et je déclare la protection divine. Je prie pour tous les bébés, toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu portes un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je prie pour la protection. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie pour la naissance de ces enfants. Je demande que ton ange visite toutes ces femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, que l'esprit de fausse couche fuit au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs sur la côte gauche. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui as des douleurs sur l'œil. Au nom de Jésus, l'œil gauche et la foi. Alléluia. L'oreille droite, tu as beaucoup de douleurs. Le Seigneur te touche. Tu es visité. Au nom puissant de Jésus, il y a une grande délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tout ce monde que tu visites. Je sens la visitation. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus, il y a des hommes qui sont d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Des hommes et des femmes. Au nom de Jésus, l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, je te remercie pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui le fait que tousser. Tu tousses, tu tousses, tu tousses et tu craches. Au nom de Jésus, il y a un autre qui est en train de cracher le sang. Le Seigneur vous délivre. Il y a une grande délivrance. Je brise tous les liens sataniques. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont de se rouler par terre. Alléluia. Il y a des démons qui parlent. Je parle à ces démons. Quittez son corps. Sortez de la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Au nom de Jésus, tu as l'addiction à la pornographie.
mais le Seigneur te délivre. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a envie de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a deux personnes qui ont envie de vomir. Vous avez la nausée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui va vomir après la prière. Il y a beaucoup de liens qui sont en train d'être brisés au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent une douleur intense sur l'épaule. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres des migraines, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Toi qui souffres du diabète, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui es en train de te gratter tout le corps. Il y a quelqu'un qui se gratte tout le corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux femmes et deux hommes qui souffrent du cancer. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux hommes qui souffrent de l'estomac. Deux hommes qui sont en train de souffrir de l'estomac. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur pour la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de douleur au niveau du pied droit. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es en train de prier pour un enfant, garde ta main sur le ventre et la foi. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus, la femme qui vient de passer 23 ans de stérilité et la foi, ouvre la bouche. Crie le nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans de stérilité. Toi qui viens de passer 11 ans. Et la foi. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité. Toi qui viens de passer 19 ans. Ayez la foi. Il y a la visitation. Il y a des murs qui sont prises. Il y a des chaînes qui sont prises. Il y a la visitation. Il y a des anges qui touchent beaucoup de femmes pendant ces prières. Partout où tu es. Et la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour l'enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a conçu à travers ses prières. Maintenant, tu es presque à terme. Mais on te dit que l'enfant est menacé. Je prie pour cet enfant. Je confesse la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, toi qui saignes, alors que tu es enceinte, cet enfant va naître et cet enfant sera en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Et une maman qui prie pour son enfant, un garçon qui ne fait qu'imiter les animaux. Au nom de Jésus, que cet esprit sort. Au nom puissant de Jésus, que cet enfant soit délivré. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour cet enfant qui est guéri des sinusites. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu es un enfant et la foi, que le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Alléluia. Commence à inspirer et expirer. Inspire et expire. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Au nom de Jésus, tu vas commencer à respirer normalement. Au nom de Jésus, un homme qui porte le virus VIH, le Seigneur te délivre. Il y a une jeune fille qui a aussi le virus VIH. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je te remercie. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cuisse. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de douleur sur la cuisse. Mets la main là où tu souffres et aie la foi. Toi qui n'arrives pas à marcher, laisse-la béquille. Marche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le bras, côté droit. Mets ta main sur son bras et aie la foi au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens. Il y a un homme qui souffre de l'épilepsie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Au nom de Jésus, je sens la visitation. Il y a une femme qui souffre de la dépression. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête. Le Seigneur te délivre. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup d'autres maladies qui fuient le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui souffre de l'hépatite B et la foi. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et la foi. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être guéris sur le corps. Toi qui as des douleurs sur le bras gauche, près de l'épaule, et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur pour la délivrance. Louez le Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance pour des siècles et des siècles. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, Adonai, Chikenu, tu es Rapha, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Je viens dans ta présence pour te montrer ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence par la foi. Je m'approche devant toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous avons la ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si une femme qui vient de passer 26 ans de stérilité peut concevoir, rien n'est impossible à toi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus, je te rends grâce pour cette femme qui a conçu, Seigneur. Et je te rends grâce pour les femmes qui vont concevoir à travers cette prière. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, parce que tu montres beaucoup de bébés, beaucoup de femmes qui vont concevoir. Au nom de Jésus, la femme qui vient de passer 23 ans. Alléluia, au nom de Jésus.
Jésus. Elle va concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a eu 10 fausses couches. 10 fois tu as conçu et 10 fois les enfants sont morts. Mais tu vas avoir la 11e conception et l'enfant va naître au nom de Jésus. Je brise la malédiction au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Il y a des enfants qui vont naître. Beaucoup d'enfants qui vont être conçus à travers ces prières. Je vois des femmes. Il y a presque 10 femmes qui viennent de passer plus de 10 ans de mariage sans enfants, mais qui vont concevoir au nom de Jésus. Je détruis la malédiction. Je brise les murs au nom puissant de Jésus. Toi qui as été ensorcelé, il y a une femme qui a été ensorcelée par sa belle famille. Je détruis, Seigneur. Je détruis cette malédiction. Je détruis cet ensorcellement. Cette femme va concevoir au nom de Jésus. Je brise les liens ancestraux au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, aie la foi. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Aie la foi, notre Jésus. Je te remercie, Seigneur. Alléluia, alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui vont concevoir. Il y a une grande délivrance au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Tu es délivré. Une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un quand tu dors. Il y a quelqu'un qui vient t'étrangler la nuit. Que cet esprit s'éloigne de toi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la colère. Une colère démoniaque. Où tu veux casser tout. Que cet esprit te lâche. Fuis au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Et une fille qui prie pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus. Que ces démons fuient. Que ces démons sortent de son corps. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter. Il y a la puissance de Dieu. Tu rôtes et tu fais des gaz. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Reçois la délivrance. Je te remercie Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre de la constipation. Un bébé qui souffre de la constipation. Je prie pour ce bébé. Alléluia. Que ce bébé soit guéri au nom de Jésus de la constipation. Merci Seigneur. Il y a un enfant qui crie toute la nuit. Toute la nuit, l'enfant crie. Elle ne fait que crier la nuit. Au nom de Jésus, que cet esprit de tourment laisse cet enfant. Quitte cet enfant au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de tourmenter cet enfant. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes et 1 femme qui sont guéris du cancer. Au nom de Jésus, parmi les 3 qui sont guéris, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Partout où tu es, au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Je prie pour la personne qui vient de passer beaucoup d'années dans l'insomnie. Tu trouves difficilement le sommeil. Le Seigneur te visite. Il y a 3 personnes qui sont guéries au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a une visitation au nom de Jésus. Que la puissance de Jésus te visite. Merci pour ta présence, Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de démangeaisons sur le corps. Tu es en train de te gratter maintenant même. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Alléluia. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la personne qui a l'oreille bouchée. Garde la main sur l'oreille. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Reçois ton miracle. Si c'est toi, ouvre la bouche. Écris victoire. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelque chose qui te tire. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la jambe, sur la cuisse. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui te tire. Au nom de Jésus. Garde la main sur la cuisse. Et confesse le nom de Jésus. Remercie-le pour la délivrance. Toi qui souffres de l'hypertension, le Seigneur t'a visité. Et la foi. Il y a quelqu'un qui vit avec le virus VIH. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui m'écoutent à partir de l'hôpital. Je prie pour que vous sortez de l'hôpital vivant, guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a un couple qui vient passer plusieurs années sans pouvoir concevoir et sans pouvoir avoir des relations intimes parce que l'homme est impuissant. Je prie pour cet homme au nom de Jésus qui retrouve la virilité au nom de Jésus, qui retrouve la puissance au nom de Jésus, la puissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Alléluia. Et bientôt la femme sera enceinte. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu as un problème d'intestin. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'œil. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Que chacun loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je suis. Je viens devant toi pour te remercier. Merci pour la visitation. Merci pour le témoignage. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.